Ah, faut faire l'intro. Oui, intro. Intro. Première. Bonjour la caméra, bonjour toi. Bonjour les wheelers. Alors aujourd'hui, c'est pour une petite balade. Bien sûr, toujours dans les règles hein, des 10 km. Nous allons dans la forêt du... Du Nuov, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc, je vous présente l'équipe. Donc Stéphane. Je le présente plus, moi. Et l'homme qui n'a pas ses cornes aujourd'hui, encore et encore, oui. Ça va venir. Bah, c'est parti, allons-y. Cette petite balade dominicale complètement improvisée par l'envie du moment et sous un beau soleil de printemps se déroule dans leur métropole et plus précisément dans le sud de Strasbourg, entre Oswald, Ilkirch, la réserve naturelle de la forêt du Neuhof et la Meno. L'occasion pour nous de déambuler dans les quartiers qu'on n'a pas l'occasion de fréquenter en giro-roue, mais qui nous permettent de nous rendre compte de la qualité des pistes cyclables. C'est joli beau, hein ? Et des rencontres bestiales qu'elle permet. Oui, c'est bon ça. On continue notre progression entre Venelle, Gravière et Canal de la Marnorin avant de pénétrer dans la forêt rhénane du Neuhof à la recherche d'un wheeler d'exception pour nous guider. Bon, vu qu'on est dans la forêt du Neuhof, on va chercher Salvatore, alias Spot Solo, pour qu'il nous fasse découvrir des petits spots sympas. C'est pour la vidéo. Bon, on se retrouve là à l'Aubrier Grof, voilà, en forêt du Neuhof, et puis on va faire un petit tour. On va aller faire un petit peu de chemin forestier, de voies un peu plus fun. Hop là, on y va maintenant. Et c'est parti pour une épopée forestière dans la forêt rhénane de Strasbourg, qui mêle petits chemins goudronniers et sentiers sinueux étroits. Emmené à toute allure par un salvateur bravant les branchages au point d'en déchirer la poche de son pantalon, Damien et Yannick s'amusent à se piéger mutuellement. Mais qu'est-ce que tu me fais des pièges? L'autre il me fout les branches dans le visage là, qu'est-ce qu'il fait? Non mais je vais lui faire bouffer ses feuilles. Et pendant que les deux font mes bus, Stéphane, quant à lui, perd l'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu fais du off-road. J'étais impressionné par la végétation. Et maintenant, place à un peu de nostalgie et de poésie. Au petit lac que vous pouvez voir derrière moi, en fait, c'est un endroit où ma maman m'emmenait quand j'étais tout petit. Au fur et à mesure du temps, l'adolescence et tout le bordel, j'ai jamais su où c'était, je lui ai demandé, elle m'a dit c'est quelque part dans la forêt d'Ilkirch ou du Neuhof comme ça, et puis il y a quelques semaines, je l'ai retrouvé. Puis voilà, c'est ici où il y avait cette petite histoire qui rôdait, qui disait qu'il y avait une tortue géante à l'époque quand on était petit, quand on avait 5 ans, hein, 6 ans. On prenait les matelas pneumatiques et puis on allait là-bas, au fond, et on essayait de trouver cette tortue géante, qui certainement n'existait pas. Et voilà. Et on continue notre avancée, non sans difficulté. Oh non, oh non. Jusqu'au terrain de jeu préféré de Salvatore. Les sentiers comme on les aime. Enfin, je pense. Hein. J'espère que c'est un plaisir partagé. Ah non, mais c'est monstrueux. Ça se voyait pas trop. Ah non, non, ça se voit pas trop. Non, mais là, je pense que ça se voit pas à l'écran, mais c'est énorme. Mais t'as vu la distance que c'est? Non, faut vraiment y aller. Faut vraiment pas hésiter, faut y aller. Non, si. Non, c'est pas possible. Vous escaladez ça. C'est pas possible, non. Escaladez ça. Vous le faites. Moi, je le fais pas. C'est ça. Là, faut pas hésiter, tu vas y aller. Ah! Oh putain! Ouf! C'est dans la boîte! C'est dans la boîte! Tu rentres à pied maintenant? Ça va, on va recommencer. On va recommencer. Et c'est à force de détermination et de courage que notre wheeler des bois a fini par maîtriser son environnement pour la plus grande fierté de ses compagnons du jour. Bravo à toi, Salvatore. Et maintenant, Urbex. On vous présente ma maison, bon, c'est encore en travaux. Hein. Vous avez remarqué, on a décidé d'investir dans les bunkers. Marché qui a de l'avenir. Je vois pas cette lumière en fait, je vois pas cette lumière. Attends, c'est une ligne droite pour moi. Ça fait vraiment le mec ça. Alors ici il y aura ma chambre. Ça va bien, non? La cuisine c'est par là. T'avais pas envisagé de mettre la cuisine par là? Ici? Ah si, c'est mieux ici, c'est sur les plans. Là
Et on arrive sur le jardin extérieur. Du surforé. Bon, il y a des travaux. C'est un peu le chantier. Hein. Ils ont pas encore ouvert. Donc, comme on n'a pas encore fait ça. C'est ça. Là, on a perdu les clés. Il n'a pas encore signé le bail. Non, c'est coucou promis. Hé, hey, Stéphane. Stéphane. Il y a moyen d'avoir des corps là-dedans, en fait. Hein. Bah oui. Bon, en tout cas, on peut dire que les fondations sont solides. Un mur et il est porteur. Pas d'humidité. Il n'y a pas de fissure. Là, il y a des choses qui sont écrites. C'est de guerre, ça? Ouais, je crois que ça date de la Deuxième Guerre mondiale. Les ouf. Tu connais cette tribu? Non. Sinon, il y a un vasis d'as qui a été créé déjà ici. Pour ne pas faire de pub. Hein. Voilà. C'est une petite fenêtre. Hein. Oui. Bah, à l'époque, ils mettaient les pics là quand les mecs ils passaient à pied. Tiens! 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 Bon, si la balade dans le bunker ça vous a plu, vous le dites dans les commentaires et on essaiera de faire un épisode sur le bunker en Alsace en règle générale. C'est joli ces petits sous-bois là. Hein? Franchement, c'est cool. Yannick attaque. Il est en pleine attaque. C'est juste excellent. Bon, c'est ici que nos chemins se séparent, cher Wheeler. Je vous laisse ici, à l'étang du Baguerzé. La plus belle plage de Strasbourg. Allez, check, check les coucous. Elle était déjà belle celle d'aujourd'hui. On peut faire mieux. Et bonne soirée. Bisous. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter et partager. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Oui, c'est du France Gall, et alors? Hop là, guys, et roule ma poule. Oh oh.